Allez, let's go. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, déjà, eux, ils viennent là. Donc c'est plus intéressant. Déjà, ils ont fini par venir ici. C'est pas mal déjà. Bientôt 800 personnes. Ça vient, ça vient. Mais non, il y a les élans, les castors. Ah, mais oui, il y a les castors. Je suis curieux d'essayer les castors. Là, il y a du monde qui vient manger. C'est pas mal. Cette zone-là, ici, entre les deux, je me demande si on pourrait pas mettre une zone comme ça, là, pour les futurs enclos. D'ailleurs, est-ce qu'on mettrait pas les flamants roses ici? Je pense qu'on va partir sur les flamants roses, là. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qui se passe? Faire naître un nouvel animal d'habitat. Oui, bah ça va venir. Ah, avant toute chose, bah oui, on veut apprendre des choses aux gens, mais on met pas de... de trucs pour leur apprendre des trucs. Logique. Hop. Alors du coup, le problème, c'est que comme il y en a partout... Bah, comme ils peuvent regarder ça de partout, faut qu'on mette hop, tortue partout. Un petit peu là aussi. Pas trop comment ça fonctionne ça. Hop. Mensonge. Ouais, les castors faire un enclos avec une rivière, un barrage. Mais oui, ça doit être trop beau ça. Et pouvoir utiliser les. Parce qu'en construction, il y a ça aussi. Il y a les effets que j'ai pas utilisés encore. Qui doit être assez fou. Comment ça va, Mensonge? Tu veux parler. Who's your daddy? Allez là. Ben voilà, tu l'as, ourson. Tu l'as. Merci pour le sub offert à Xenoria. Merci. Bisous. Alors, je regarde ça. Ah, mais non. Forcément, il n'y a pas d'électricité ici. Bon, il faudra bouger ça. Petite crise cardiaque, je... toujours, toujours dans ces cas-là. Bah, ça ne changera pas. Hein. Bon, du coup, ici, on peut rien mettre pour l'instant parce qu'il n'y a pas d'électricité. Alors, génial. Et ça, faut qu'on bouge, en fait. Je vais offrir à partir du mois prochain. Donc... Ah bon? Enfin, pas de soucis, hein, mais... Pourquoi tu dis ça? Ah, avec la... Vous avez eu l'appart? Non, tu t'as dit que vous visitiez samedi. Non? Ah, je regarde. Oui, non, mais alors... Absolument aucune obligation, tu sais, mais en ce moment. Ah, bah, j'ai la part. Bien sûr, s'il me plaît. Ah, mais vous êtes les seuls dessus? Du coup? Ça, j'ai acheté pour rien. J'adore dépenser pour rien. Attends, on va mettre le truc des... Voilà, là on a de l'électricité ici. Non mais notre dossier est le seul hors-tu. Ah oui, d'accord, ah bah c'est cool ça. Ah oui, bon bah c'est gagné là. Bingo. Bon bah félicitations alors. Et encore une fois, c'est les abos. C'est très gentil, hein, je dis pas le contraire, mais pas de soucis si tu peux pas, si tu peux pas reswap, si tu peux pas offrir ou quoi que ce soit. Je ne le prendrai jamais mal. Je ne me vexerai pas. Juste, je pourrais pas EP mon setup rapidement prévu, quoi, c'est tout. C'est que, voilà. À cause de toi, quoi. J'espère que tu l'auras sur la conscience.
Alors, le jour où il y a de l'électricité ici, hop, on pourra faire ça. Je sais jamais si mon humour ans comme ça passe ou pas, si c'est compris ou pas. Cool. Bon, cœur avec les doigts. Hein. Tu gagnes pas un stream un SMIC en streamant. Non, étonnamment, non. Étonnamment. C'est drôle, hein. Ah, on a passé 1% de... Enfin, une étoile, ça y est. Hop là, allez. Money, money. Non, non, non. Pas de SMIC. Je vais vous laisser la légère peut-être ce soir. Pas de souci, Argo, des bisous. Bonne journée à toi et peut-être à ce soir. Ça marche. Avec plaisir. Bon, qu'est-ce qu'ils font la tête d'un coup là? L'énergie, ça va. C'est la fin. Mais à la fin, faut manger les enfants. Putain, mais ils ont soif. Mais ils ont soif où là? Ils sont les besoins là. Alors, le truc de boisson est là. Est-ce qu'il faudrait que j'en mette un ici, du coup? À place de ça? Je trouve que c'est vachement proche de l'entrée, en fait. C'est pour ça que ça me... chafouine. Sinon, j'en mets un de l'autre côté ici aussi, hein. Tant pis. Ça avait fait avancer au moins dans le parc, comme ça. Service visiteur. Whistle. Un petit comptoir. On pourrait mettre un petit comptoir, tiens. Comment ça va fonctionner? Alors, les murs, voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Colonne de parpaing, c'est très joli, bravo. Rien de très sexy. Hein. Il y a les goûts. Tiens, très joli contreplaqué comme ça. Très bien. Une arche en parpaing. Ah bah oui, on peut faire ça comme ça. Mais regardez. Comme ça là. Hop. Voilà. Et oula, ça, oui, ça frise un peu beaucoup. Mettre un petit machin comme ça. Hop. Hop. On peut imaginer... Non, c'est un service. Est-ce que ça rentre? Comme ça? C'est un peu bizarre, hein. Mais est-ce qu'il vend quoi là? On va laisser les prix comme ça dans un premier temps, on va voir comment ça se passe. Après ils ont soif, donc ça veut dire qu'on peut augmenter les prix quoi. Mettre ça 7. Des granités, bah oui, allez. Viandez les gens.
Faut mettre ça comme ça aussi. Touk. On dirait plutôt des... Alors, je mets ça mais parce qu'on dirait des glaces, mais en fait, c'est des... C'est quoi? C'est des cupcakes, des choses comme ça. Voilà. Les gens comprendront. Pire, les gens, vous savez. Tac. Et voilà, première construction, c'est de beau. Ça ressemble à rien, c'est incroyable. Ah mais c'est tout petit. Bulle sous-marine, incroyable. Brume intense. Brume importante. C'est trop bien ces effets. Tube de feuilles, à quoi ça ressemble? Pardon? Là, chez les autres de se reproduire? Comment ça? Qu'est-ce que tu fais, toi? Laisse les autres tranquilles? Ah, mais c'est une alpha. Bah ouais, bah, en même temps, c'est la loi. C'est elle qui fait la loi, hein, c'est l'alpha. Ok, bon, bah écoutez, les gens, du coup, viennent chercher leur granité quand même. Donc c'est bon. Cool. Zone de travail, boutique. Tac. Voilà. Ok. Les gens restent combien de temps du coup ici? 11 minutes. Ah ouais, on a bien gagné quand même. Bah, faut manger, Manson. Faut manger. J'attends les collègues là. Oh, qu'est-ce qu'ils sont lents, les collègues. Est-ce que. On ferait pas une boucle comme ça là. Et on mettrait les flammes roses ici. Alors, je crois qu'on était sur du 7 de largeur. Pour aller chercher à manger, car moi, j'ai fait ma gamelle. Ouais, mais toi, t'es malin, c'est pour ça. Ok, j'ai rajouté une nerf, on regarde ça. Hop, 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 hop. Oh, on a un VIP. C'est qui le VIP? Bah non mais c'est moi. Bah je reviens visiter mon zoo. J'ai tellement kiffé mon zoo que je reviens... Que je reviens voir. En plus les visiteurs peuvent aller dans l'enclos des flammes roses. Ah, faut que je regarde ça alors. On va essayer d'en faire un alors. Ok. Les tortues, on a ludique. Et alimentaire, parfait. Alors on va leur donner tout de suite ça. Trésor Ribas. Ah oui, oui, effectivement, j'ai peut-être un peu trop dépensé, oui. Et j'ai de nouveau l'impression d'avoir... J'ai l'impression d'avoir un peu trop d'argent. Bon, du coup, on va pas dépenser. Tu peux y voir dans la zoopédie, c'est pas la seule espèce dispo pour ça. Ah, attends, zoopédie. Ah non, d'accord. Loutre et géant. Il y a des loutres, incroyable. Loup, non, forcément. Ok, lion, non.
Des lamas, ok. Et quoi là? Trop bien. Des kangourous. Jaguar, bon, bah je pense que non. Et tu... J'ai des DLC? Comment ça, j'ai des DLC? T'es sûr? Et quoi, c'est dans ce DLC australien, le loup arctique dans le polar? Ah bon? Bah, pourtant, j'ai regardé sur Steam, mais... Alors, attends, on va regarder. Manchot. Attends, Il apparaît plus. Il est caché. Bon, bah, j'ai des DLC, alors. D'accord, ok. C'est bizarre. Ah putain, qu'est-ce que j'ai regardé ça moi? Quel enfer. Ok, ah je pensais pas en avoir. Bah, j'avais regardé. Ouais, en fait j'avais regardé et je pensais... j'avais pas le souvenir. Pas le souvenir d'en avoir, mais tant mieux. Hein. Donc du coup, flamme en rose. T'as le parc arctique alors, il y a deux scénarios avec, ils sont trop bien. Ah c'est ça, d'accord, oui. Dans la liste des scénarios, effectivement, je voyais qu'il y avait les. Qu'il y avait des scénarios, deux scénarios en plus, je crois. Donc c'est ça, c'est avec ces DLC. D'accord. Je pense que ça allait avec le jeu de base, moi. J'étais persuadé de ne pas avoir le DLC. Flamant rose. Ah oui, flamant rose, il n'y a pas besoin de beaucoup, en fait. Ok. Bah non, mais du coup, on va les faire traverser. Bon, on prendra peut-être le temps un jour de faire les scénarios, alors. Flamant rose, visiteurs peuvent-ils entrer dans l'habitat? Oui. Et du coup, c'est là qu'on va utiliser le cette porte-là. Elle est où? Entrée visiteur. Ok. Alors, par contre, on va peut-être agrandir ça, alors. Peut-être faire plus grand. Quoique, attends. Parce que l'idée, c'est de les faire traverser ça. Donc, ok, niveau 4. Ah, sur ton profil Steam, ça met que tu as le parc arctique, le parc aquatique, arctique et australien. J'ai ça, moi. Bravo. Mais c'est pas impossible que j'ai pris un pack en réduction un jour sur Steam et que j'ai craqué, tu vois. C'est pas complètement impossible. Ok, donc il faut qu'on fasse ça. Font pas d'offres avec les DLC en ça. Mais non, mais c'est un bundle sur Steam, des fois il y en a, je crois. Donc je pense que ça devait être comme ça. Petit bundle. Par contre, l'idée c'est de les faire traverser le. Bah, c'est comme ça que j'ai pris Skyrim du coup. Skyrim, il y avait le jeu, petit aparté YouTube,
Skyrim, ils font le jeu, du coup, l'Anniversary Edition à 39, je crois. Et en plus, la mise à jour Special Edition, donc la dernière, là, est à 19. Et en fait, ils ont Steam un bundle qui couple les deux, où tu achètes les deux, pour, 4, 5, 6, pour, 5, pour 49 euros, je crois. Ce qui permet d'économiser 10 euros, je crois, sur... Sur le total. Donc c'est pour ça, Steam, faut regarder les, penser à regarder les bundles, souvent. Pas regarder le jeu seul, mais regarder les bundles. Ils font tout énorme. T'as tout le temps au moins, enfin, ouais, sur les gros jeux comme ça, ils offrent, enfin, pas ils offrent, mais il y a toujours des éditions comme ça, ouais. Comment on pourrait faire? Parce que l'idée, en fait, ça sert à rien de mettre une traversée comme ça s'il y en a une ici. Plazo, c'était Apo qui me l'avait acheté à Noël avec un DLC, je crois, et après j'ai tout acheté au fur et à mesure sur Steam et Instant. Ah oui, après, oui, sur Instant Gaming, oui. C'est pratique, ça aussi. Mais... Mais oui, c'est une bonne, c'est un bon plan quand ils font ça. En fait, il faudrait que la traversée serve à quelque chose. Bon, là, non. Il faudrait que ça amène quelque part. C'est le seul jeu où j'ai tous les DLC. Ça commence comme ça. Ça commence par là. Si on fait... Alors, attends, on va continuer parce qu'on n'a pas d'argent. Alors, on continue à récupérer. Hop, des sous. Voilà. Réputation, qu'est-ce qu'il faut? Augmenter la réputation du zoo à 3 étoiles. Oh bah ça va avancer petit à petit, c'est pas mal. Ok. Oh les petits licaons! Bah oui, bah ça y est, c'est parti là. Oh les petits. Ah parfait. Quand on a besoin de sous, on peut toujours compter sur les grenouilles venimeuses. Voilà. Hop. Et voilà. De la moule. Donc, tac tac tac. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que cette allée là rend l'argent. Est-ce qu'on couperait pas ça juste pour donner une belle vue ici et à la limite pour aller de l'autre côté ils sont obligés de passer par là tout ça. Oui, il faut rebousser les chemins messieurs dames. J'attends que vous soyez partis. Michel, recule. Voilà. Petite vue comme ça, là. Et comme ça, hop, ils sont obligés de passer par là pour rentrer. Pour continuer le zoo. Ah, je suis con, c'est clôture. Et bienvenue. Bienvenue dans la chaîne qui n'avance pas ses jeux. Taounou, coucou. Merci pour le sub. Pour le resub même d'ailleurs. Coucou. Cool de t'avoir en direct, je regarde souvent tes replays. Merci beaucoup Taounou. Des gros bisous. Ah bah écoute, sois bienvenue. Après c'est vrai que comme on est souvent là le matin, on n'est pas facile à attraper. J'en conviens. Comment ça va Taounou? Parce que la journée se passe bien. Et parce qu'il est déjà midi. Hop, donc déjà ça. Ensuite,
Bah écoute, top aussi. Une bonne petite journée pour fêter les 2 ans de la chaîne. On est plutôt bien. Hop, donc déjà ça. Après, on repart de là. On va essayer d'avoir quelque chose d'assez droit quand même. Tac. Les flamants roses, les flamants roses, les flamants roses. Ouais, besoin d'espace. Hein. On peut leur ouvrir. Hein. En plus, ça peut faire une belle traversée comme ça. Voilà. Il serait Planet Zoo, mais oui. Et du coup, on est sur le mode franchise depuis hier. On attaque le mode franchise, ça y est. Ce qui est un beau petit défi. Et sur le taille 4. Re-apo de casto. Mais ici, les gens qui ne savent pas ce qui se passe. Aïe, aïe, aïe. Si, si, c'est possible que ce soit là. Hein. On va leur faire un... Les gens, ils vont tourner en... et du coup, il faut qu'on... Non, mais je te jure, quel... Ah ben, Shokinu, ben, bienvenue à vous. Vous ne saviez pas à qui vous aviez affaire, maintenant vous savez. Mais je te jure. Après, ça fait longtemps que voilà, que je l'avais acheté. Peut-être que ça se justifie, quoi. Je justifiais ça comme ça. Oups. Hop, et là, du coup, on repart. Ok. Bah écoute, c'est toujours une bonne surprise de savoir qu'on a plus de contenu que prévu, hein, en soi. Qu'est-ce que j'allais l'article. Bah oui, mais comme je les ai pas encore utilisés dans les modes carrière, c'est pour ça que je me suis dit, bon écoutez, normal quoi. Alors, j'aimerais savoir combien a fait cet enclos. C'est possible. Je dis, mais c'est pas dans le DLC, c'est pas dans un DLC. Là, j'ai vu au moins 4 espèces de DLC, je me dis, c'est bizarre. Étrange, étrange, madrange. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, non, en fait, c'est pas beau comme ça. Mon meilleur enquêteur est sur le coup. Enquête terminée. On peut emballer. Xenodéric a réussi à boucler l'enquête. C'est bon. Non mais arrête. Voilà. Encore un cas résolu par un spectacle. Xenodéric. Xenodéric. Pas facile. Hein. Non mais par contre, je peux pas savoir combien il fait cet enclos. Ouais, d'accord, il y a cet enclos là. Très bien, merci. Bonsoir. C'est fermé là-bas aussi. Bah oui. Bah alors. Bon, on va prendre les flamants roses. Tu sais que j'aurais continué longtemps comme ça. Hein, en disant, mais qu'est-ce qu'il faut? Mais c'est pas possible. Il faut une entrée à soigneur. J'aurais continué très longtemps.
Genre, mais c'est pas possible. Alors, voilà. Oui, j'aurais pas pu les mettre dedans. Du coup, je me serais énervé. Et du coup, j'aurais pas eu flamant rose. Flamant rose. Avec un T. Parce qu'ils ne sont pas flamands. Alors, on a quoi? On a 4000. Parce que 5000 mètres carrés, ok. Et 1000 mètres de zone aquatique, ok. Nickel. Voilà. Hop, top, top, top. Ils peuvent passer dedans. Ah, oh, ils vont être bien là. On va être bien. Zone de travail. Bon, elle veut. Ok, elle est bientôt. Elle est vieille. On a la vieille araignée là. C'est bon, c'est bientôt fini. Secours. Zone d'entrée, bison, hop, tac. Avec le A, on est bien. La marrose. Voilà. Par contre, on a la confirmation, il va bien nous falloir une nouvelle zone de avec les affaires là. Trésorerie basse. Mais oui, mais c'est faux, arrêtez. Bon, ça remonte, la soif remonte doucement. Ça va. Peut-être bien de récupérer des flamants roses. Flamants roses. Les moins chers. Les moins chers. Merci. Ah, c'est cher, les flamants roses. Vous savez combien de temps les flamants roses? Je sens que ça vit vieux. Hein. 60 ans. Ah oui, on a le temps. Ouais. Okay. Et puis par contre, ouais, ça peut aller. Ah oui, il a besoin de 10, ok. Ah, par contre, 10. Ah oui, facile, ok, d'accord, nickel. Ok. Alors, pourquoi je tombe comme ça, là? Je perds beaucoup d'argent, là, je trouve. Bonjour. À 10. Je perds beaucoup d'argent. En même temps, si les gens arrêtent pas d'aller voir les araignées, c'est normal. Va falloir faire une. Va falloir rechercher un peu de sous, faire un. Le banc vandalisé, c'est pas trop grave. Faire un emprunt. Pour donner un peu d'air. Qu'est-ce que j'ai fait? Recherche terminée. Tortue. Ok, très bien. Et on peut rien faire pour l'instant. Donc... Un petit facoucou. On l'a dépensé sans compter. Voilà ce que ça donne. Peut-être pris trop de l'Icaron d'un coup. Les grenouilles salvatrices à 4. Ouais, ça fait pas beaucoup, hein. Ça fait 800 de plus, ok. Fais respirer. Ok, les tortues. Ah, oh, les petites bébés tortues. Qu'est-ce qu'il y a le bien-être? Abri solide. Oui, mais attends. Faisons de l'argent déjà et puis on verra. Oui, c'est moi. Truche stressée.
Pas de salle de personnel accessible ayant la place. Oui, bah, c'est pas grave. Pour l'instant, on peut rien acheter. Donc, contentez-vous de ce que vous avez. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Ok, on remonte un peu à 2000. La froid et la catastrophe. On a frôlé la catastrophe. Rendez-vous compte. Ouais, les gens, ouais. Ils sont moyennement contents quand même. Pareil, les Lycaons, je pense qu'il va falloir acheter de nouveaux. Tous au pieu. Ils sont tous là, ils sont trop mimi. Ah non, ça va, ils sont bien. Abri solide. Ouais, c'est un peu petit, ouais. C'est un peu juste l'abri. Ok. Bon. On va faire un emprunt. Hein. Il va nous rester que ça, hein, de toute façon. Parce que ça peine à décoller quand même. Hein. Les bisons sont un peu loin quand même. On est obligé d'attendre un peu que ça redécolle. 712. Petit rapport d'inspectrice. Globalement, on est plutôt bien. Ouais, ok. On va rebaisser, hein. On va remettre à 8. On va essayer de faire du monde plutôt. Non, Goulette, elle est là. Ok. On n'oublie pas de voter. Ah oui, bah oui, messieurs, dames. N'hésitez pas à aller voter pour le jeu de samedi soir. 21h minuit. Ça promet du grand n'importe quoi. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, les animaux. Beaucoup de souffrance pour quelqu'un. La souffrance toujours dans l'amour, évidemment. Toujours avec consentement. La gestion des prix des billets, c'est quand même quelque chose. Hein. ZH. Allez, bienvenue ZH. À voter. Merci Taonu. Et pour rappel, pendant qu'on essaye de récupérer un peu de monde, pour rappel, nous on pense que le prix des billets est bon marché. Ok, donc ça veut dire qu'on peut le monter à 9 alors. Bah 8, à 10, il faisait la gueule les gens. Pour rappel, si jamais vous avez la Switch et Mario Kart 8, vous pouvez nous rejoindre ce soir pour jouer à Mario Kart. Voilà. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc, ah, ça y est, Enrique est mort. Pouvoir mettre un nouvel... Enfin, normalement, non. Il y en a encore. Vide. Très bien. On va mettre autre chose là-dedans. On va pouvoir jouer en multi ce soir sur Mario Kart 8. Donc, n'hésitez pas à venir et peut-être même tester, du coup, les nouveaux circuits qui sont sortis la semaine dernière. Voilà. Et mais je viens de l'augmenter, donc ça, normalement, c'est bon. Ça a plus de... Ok. Ok, en positif. Ça, par contre, en vrai, c'est chiant. Donc, bon. 300 en plus. C'est toujours cette prix. Très bien. Les 4 jeux sont cool en vrai. Ben, Gridfall, j'ai peur d'être passé à côté de quelque chose en fait en n'ayant pas continué au-delà de ce que j'avais compris du jeu. Parce que ouais, il m'a un peu fait saler celui-là. Ok, 700 en plus. Et quant aux trois autres, eh ben, je ne les connais pas plus que ça. Donc voilà. Du Alien, du Dead Space, du RE7.
Ça devrait être quelque chose. Ok, les gens commencent à monter, là, c'est pas mal. T'as le balcon, on votera pas pour rien. Allez, Grateful! Mon taunt n'a pas fonctionné. Dommage. T'as voté Alien. Ok, hein, il y a peut-être du Alien aussi. Hein. Il y a peut-être du Alien. Alien remonte, hein, je pense. Bon, 4100, 4200. Bon, on a échappé, on a échappé au pire. Ok. Peut-être pouvoir accélérer, voir si ça remonte encore un peu. Mille c'est rude. Hein. Essayer de prendre une. Ok, petit facoco. Recherche vétérinaire. Ok, bah je pense qu'on peut continuer comme ça de toute façon. Petit facoco. Jabari. Jabari fait chier son. Ah non, il fait chier son monde. Ah oui, c'est lui et lui seul, quoi. Ok. C'est lui le chef. Hein. Ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va faire un emprunt. Ce que j'aime pas faire. Que ce soit dans la vraie vie ou pas. On peut aller jusqu'à 50 000. Oh, pas mal. Un petit emprunt à 5000, ne serait-ce que pour prendre les flammes en rose et pouvoir passer à l'intérieur. Ça peut faire une expérience sympa, ça, pour les visiteurs. Il est presque sorti d'affaire, mais il faut récupérer du monde encore, là. Max de sous. Allez, on prend l'emprunt à 5000. Allez, c'est pris. Alors, du coup, ok, 9000. De la moula. Ok, flamme en rose, du coup. Ah bon, on peut en prendre des comme ça, parfait. On va en prendre quoi? 4, 5, 6 peut-être? Allez. Donc, une femelle. Deux femelles. Trois femelles. Quatre femelles. Ok. On va partir sur 8. Je pense qu'on sera pas mal comme ça. Un autre mâle or, comme ça. Ce beau monde. Hop, un oiseau. Ici. Bon, le problème, c'est que tout ce beau monde, il va falloir le nourrir après. Peut-être pas le meilleur move. Hein. Mais bon, si ça peut les faire arriver, si ça peut faire venir les gens jusqu'ici, pourquoi pas. Allez, go. Est-ce qu'il faudrait pas que j'augmente la taille de ça, du coup? Pour éviter que les gens ne regardent depuis l'extérieur, mais rentrent dans le... Hop. Ah, on a une Icaron qui est mort. Rip. J'aime pas les voir s'écrouler, c'est trop triste. Donne les petites feuilles.
météo qui va s'en occuper. Ok. Ah, on propose une expérience là, en rentrant voir les flamants roses. Ouais, bizarre dehors. Je pense que prix des billets, bon marché. Allez, 11. C'est parti. Je crois qu'à partir du moment où ils disent que c'est bon marché, on peut augmenter de 2-3 dollars à chaque fois. C'est pas déconnant non plus. Les toilettes c'est un peu court. Hein, ouais. Mais c'est pas la priorité, donc tant pis. Non, ça c'est surveillance. Besoin, ils sont là. Je retourne bosser, je surveille le replay du coup, et merci pour tes streams à plus. Des bisous Taonou. Merci beaucoup d'avoir été là, merci encore pour le resub. Passe une bonne journée, bon courage pour le boulot. A très vite. Avec plaisir, toujours. Oh là là, tout le monde est en quarantaine là? Tout le monde sort de quarantaine. Et merci. Voilà, merci. Merci beaucoup. Souffle les bougies. Ok. Donc tout ça, du coup, hop, peut sortir tout le monde. YOLO! Zone de quarantaine. Oui, mais c'est pas grave si les gens font la queue. Pas zone de quarantaine. Ok. Tac, tac, tac. Très bien. Est-ce que on pourrait faire le tour par là? C'est pas trop. Qu'il y a une procession de gens avec les flamants roses. Faudrait peut-être que je mette un panneau ne pas nourrir les animaux. Allez, 1000 en plus. Yes. Ah non. On a perdu une grenouille. Grenouille pondeuse. Alors, comment ça se passe ici? L'abri solide, ils en ont pas besoin visiblement. Le terrain par contre, c'est pas glope. Alors. Herbe courte, c'est bon. Il y a un peu trop d'herbe longue. Par contre, ah oui, le sable. Le sable, ici, on peut mettre du sable, je pense. Plutôt du sable, le sable grossier, comme ça, le long de la plage. Peut-être augmenter un peu l'intensité, quand même, en vrai. Voilà. Où est-ce qu'on pourrait mettre de la roche? Ici, là, le long du parcours. Allez, encore un peu. Et de la terre, il nous faut de la terre. Terre lourde. Pim 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 p
Ah, j'ai perdu de la roche. Ouais, c'est juste. Hein. Ok, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. En termes de... Ah, ils sont contents d'un coup, là? Ma satisfaction, d'accord, ok. Je sais pas sur quoi est basée la satisfaction. Curieux. Alors, ce sont pas des oiseaux d'Afrique. On va mettre un peu un biome asiatique, tiens. On va mettre un peu de lotus dans l'eau. Oui, j'ai pas de sous, mais je dépense en lotus, je sais. Pas logique. Petit bosquet. Voilà. Comment ça, y a pas de sous? C'est bon, tranquille. Pas les nénuphars plus grands. Qui tape là un peu plus grand de nénuphars. Attends, j'ai mis quoi? Ça ne m'a rien, mais ok. Petit seul pleureur. C'est joli, les seuls pleureurs. Voilà. Alors maintenant qu'on a mis des trucs inutiles, on peut penser à leur donner un peu de nourriture. Bah, abreuvoir, il y a de l'eau, donc ils n'ont pas besoin. Grande écuelle, par contre. Je vais en mettre deux, comme ça. Ok, ça on n'a pas plus. Ah, c'est pas plus ça. Non, ça nous intéresse pas plus que ça, ça. Ah non, mais oui, mais quel con, c'est les... D'accord. Est-ce qu'il manque l'alimentaire, forcément? Ok, alors, est-ce que ça va mener à notre perte, tout ça, là? Le truc, c'est qu'il faut que je mette aussi des panneaux qui disent de ne pas nourrir les animaux, parce que sinon, on les connaît, les gens, on le fait. Hein. Ah, que le prix du billet est bon marché. Oui, on peut continuer à augmenter. Allez. 14. 14 et 6. Ok. Ah, et ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà. Les mécaniques, recherche mécanique terminée. Ok, bon, on a tout. On va peut-être pouvoir commencer à chercher le thème aquatique. Ça pourrait être une bonne idée d'avoir d'aller chercher là-dessus. Pour éventuellement faire un parc, enfin, une zone aquatique. On est monté à 850 d'un coup, la vache.
faire naître un animal. La chaîne de la nature, 4 lycaon. Ok. Ok, ok. Ok, ça commence à devenir intéressant. Alors, le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un truc de l'autre côté après. Il va falloir trouver ce qu'on fait de l'autre côté pour pouvoir justement les inciter à aller de l'autre côté, à traverser cet endroit. Elle va être adulte, elle n'est pas encore adulte. Il y a plusieurs qui vont être adultes là, on va pouvoir les relâcher. Si. Parce que là, du coup, ils traversent, mais ils font pas forcément grand chose de plus, quoi. Ce qui est un peu dommage. Voilà. Petite zone de flamant rose. Ok. Ah, le problème, c'est que ça manque un peu de déco, effectivement, aussi sur le trajet, tout ça. C'est... Putain, on est bientôt à 900. Et là, il faudrait en fait une zone, un enclos, peut-être effectivement aquatique si on réussit à trouver un peu d'argent. Ah, voilà. Attends. Tac. 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 Alors on relâche, mais ça fait aussi des économies en termes de nourriture, tout ça. Parfait. Voilà. Voilà. Du mal à calculer. On veut les sous. On veut retrouver un peu de sous. Ouais. Parce que là, pas facile. On fait des économies sur la bouffe. Sur tout ça. Donc, il va falloir chercher quoi mettre ici. Parce qu'il faut que les gens traversent. Ah, les boîtes à dons, merde, oui, indeed. J'ai oublié d'en mettre ici. Merde, attends, tu vois la panique? La panique, ça y est, ça panique. Le don avec un T, évidemment. Est-ce que je mets ça là? Est-ce qu'on peut mettre ça là? Tiens, on va mettre ça à l'intérieur. Hop. Hop. Et peut-être à la sortie aussi. Hop, à votre bon cœur, monsieur l'âme. Tac, voilà, il y en a partout. Les pans aussi, ouais, je crois qu'on peut aller à l'intérieur en fait. Je vais mettre des poubelles à l'intérieur. Voilà. Bande de cochons. Bon, ne confondez pas, hein, c'est la même couleur, mais c'est pas pareil. Charge vétérinaire, très bien. Le petit facoco. Et du coup, on peut partir sur les flamants roses. Hop. Ok. Du coup, les boîtes à dons, fais voir. Est-ce qu'on a beaucoup de dons? Ah, on a perdu une minute en moyenne. Le don moyen est de 17. En termes de graphique... on n'a pas, je crois, l'info sur la quantité de dons, ce qui est bizarre. Les radins, bah ouais, t'as vu. Finance. Ah, mais on a bientôt fini de rembourser.
Nice. Nice. Oh. Tu vois dans les bilans financiers. Finance. Ah oui, indeed. Revenu. Les dons. Cette année, 2000. Année précédente. En vrai, c'est vrai qu'on est 30 janvier. En vrai, les dons, ça fonctionne bien. L'année dernière, on a fait presque 20 000 balles. On augmente, hein, on est en constante augmentation. Hein. On passe de 13 000, 18. On est passé de 13 000 à 18 000. Ah non, année moyenne, j'ai rien dit. Année 9 déjà. Mais ok. Le 18, 19. À 13 000 de moyenne quand même, ça va. Ah ouais. Ça rapporte plus que la vente des billets. Bah c'est comme Twitch en fait. En théorie, les streamers vivent plus des dons que des ventes de billets. Non, c'est fou, hein. C'est fou. Il y a deux ans, les boutiques rapportaient plus que la vente de billets aussi. Ça dit, heureusement qu'on a la récompense aussi un petit peu. Ah, attends, j'ai vu qu'il y avait des animaux là. Qu'il y avait des petites grenouilles. Les petites grenouilles, elles sont là. Ça. Hop, hop. Tac. Voilà. 1000 de plus. Ça fait plaisir. Ce qu'il faut faire. Alors, service. C'était où? C'était un truc ne pas nourrir les animaux. Petit panneau là. Ne pas nourrir, voilà. On peut le mettre là en fait. Voilà, non, c'est toujours stratégique à placer. Des fois, tu les déplaces de genre 3 mètres des tables. Tu peux tripler les dons. Ouais, c'est ouf. Hein. Du coup, t'en mets partout. Tu fais des guirlandes. Je crois que j'ai pas de dons ici. Pas de boîte à dons. Tenez, pour la vue. Merci. Putain, les cochons ici. Putain, ça rend ouf. Il y a vraiment des porcs, les gens. Hop. Voilà. Nourris pas les animaux. Je crois que c'est un truc de sécurité, ça aussi. Hein. Voilà. Marche bien. Des mois sur même pas une année, j'avais un tigre qui avait deux boîtes à dons qui me rapportait 2500 et... Ah ouais, pour un seul tigre. Ah, les gens sont généreux. Hein. Les gens sont généreux, il n'y a pas à dire. Ils sont bien les flamants roses, là. Optimisation. Et ça manque d'optimisation. Ah, l'abri solide. Est-ce qu'on leur mettrait pas un petit abri quelque part? Est-ce qu'on mettrait pas l'abri ici pour qu'ils aient à traverser entre les deux? Je pense que ça peut être bien. Ah, une petite jetée aussi, ça peut être cool. Un petit abri. Je pense qu'on va faire ça. Mettre ça comme ça, là. Ah, pour l'instant, les tigres, ouais, ça rapporte. Hein. Hop, et voilà. Je sais pas si les flamands vont traverser du coup en vrai. Bon, je pense, hein, il n'y a pas de raison qu'ils traversent pas. Prêt, voilà. Ils valent bien là.
Optimisation, tout ça, d'accord. Le terrain est nickel, l'eau est nickel, ok. Bah voilà, ça y est, ça commence déjà à faire des petits. Parfait. Et on peut partir sur un petit peu d'éducation de ces messieurs-dames. Bah, ils n'ont pas attendu, hein. Ça y est. Faut que je vois où ils s'arrêtent essentiellement. Ah ouais, non, putain. Ah oui, il y a 3. Ah oui, bah, ça va y avoir des petits. Hein. Ah, un bisou qui attire du monde, hein, finalement, ça y est. Est-ce qu'on peut le mettre de l'autre côté, comme ça? Et là, hop, sur les flamants roses ici. Tu es sur les flamants roses. Alors, Tortue Goliath, on va aller la chercher. Est-ce qu'ils sont pas bien? Ok. Chouk. En fait, je pense qu'on perd beaucoup d'argent dès que ça met un peu d'argent. Dès que ça met de la nourriture, probablement ici d'ailleurs. Parce que comme il y a beaucoup d'animaux, ça coûte un peu cher. Ok. Mais tortue qui a du succès, visiblement. Qu'est-ce qu'ils en disent? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir d'avis? Ah si, voilà. Bébé tortue. C'est un bonheur de voir leur tortue géante de nez aussi bien. Ce souvenir restera gravé dans la mémoire. On a une bonne vue sur la tortue géante de Galapagos. Parfait. Bon. Voilà. Ah, ça vient, ça vient. Faut qu'on mette... Ah, ok, donc ça a l'air de s'arrêter ici. Et probablement ici, les gens vont s'arrêter aussi. Il nous reste combien de temps à payer, là? Ah, bah, on a fini. Ok. Hop. Donc, maintenant, l'argent, ce sera notre argent qu'on gagnera. Oh, les petits! Les petits! Petits flamants roses! Boucri! Ok. 10 bibis flamants roses tout gris. Trop mimi. Bon bah soyez bien. Hein. On a fait un bel enclos là. Il y a de quoi faire. Et je pense qu'ils sont, arrivés direct, ils ont pondu. Allez hop. Ok. Bon alors du coup, il faudra prendre un peu d'argent pour faire ça de l'autre côté. Ok, ok. Ah ouais, non, mais ça va très vite, hein, les flamants roses. On va mettre les des services là pour que les gens apprennent des trucs, pour éduquer les gens. Hop, ça vite fait. Pas sûr d'avoir de l'électricité ici. Bon, je regarde ça. Tac. On n'a pas d'électricité, c'est ça. Donc, il faudra gérer ça tout à l'heure. Ok. Parce que l'électricité va où? L'électricité... Pas loin. Dommage.
Donc, il y a fort à parier qu'on fasse un petit camp, du coup. Bah, à vrai dire, si, le jour où on a de nouveau de l'argent, les locaux du personnel, on fera peut-être probablement des locaux du personnel ici, là. Bah, une armée de flamands roses. Mais en vrai, les flamands roses, je crois que ça va jusqu'à 100. Les groupes de flamands roses. Animaux. Petit flamand rose. Zoopédie. De 10 à 500. Large. Allez, sur ces infos YouTube, à bien vite.